plaqué et il y a un soutien dans son axe. Il y a un soutien qui est dans son axe. Et tu vas arriver un petit peu plus. Tu vas avoir un temps d'avance par rapport au placard. Hop, je te plaque, c'est au sol. Et là, lui va pouvoir se positionner. Moi, si j'étais en capacité, juste avant de me remobiliser, un élément, je peux repasser en dessous, aller choper là, juste derrière, pour le déséquilibrer et remettre de l'avancée. Ok ? Je me suis libéré du plaqué. Je passe en dessous, je passe les mains en dessous, je relève la tête pour être vite dynamique en m'appuyant sur le plaqué. Je le maintiens au sol, hop, je repasse en dessous. Avec les quatre appuis. Quand même celui qui a la prépondérance, quand même celui qui arrive vite. Ouais. Quand t'es positionné, t'es déjà au sol. T'es statique, de la puissance sur un mec qui arrive très vite. Parce que je suis pas. L'objectif c'est d'arriver d'être plus bas. Et forcément je vais être plus bas en étant plaqueur. Je vais être plus bas. Maintenant. Alors on n'a plus le droit au pivot. Mais là ça va être. On arrive à peu près sur le même timing. Vite je repasse en dessous, je vais choper derrière et je remobilise. Maintenant, musculairement, ici partir ici en extension, c'est compliqué. On n'est pas tous en capacité. Donc ça peut être aussi. On revient. Là, je me remobilise et j'ai prise poignet. Ici, je ramène, je repasse en dessous, prise jambe. Et là, je repasse en dessous. C'est une option supplémentaire. Ah bah là, après, c'est terminé.